Dédicace spéciale à toute la famille des Docolo. Dédicace spéciale à la princesse Isabelle de Santos. Mes hommages ont fait peur au Guistessano Docolo. Mes hommages au regretté syndicat Docolo qui nous avait été arraché à la fleur de l'âge ce 29 octobre 2020. Congolaises et Congolais, aujourd'hui je veux bien vous relater de certaines de rares personnalités congolaises qui ont attiré notre attention, en particulier des hommes d'affaires et collectionneurs d'œuvres d'art africaines du même sang, respectivement le père et son fils Auguste Sanou Docolo et Cindy Kadokolo, qui malgré leurs affaires n'avaient pas cessé d'une manière à une autre à contribuer au bien-être de leur patrie mère, le Congo, et s'attacher aux valeurs démocratiques et républicaines de leur pays, depuis Joseph Désiré Mobutu à Joseph Kabila. Ce qui permet à cette famille congolaise de se distinguer des autres, une famille qui s'est toujours battue pour un Congo debout, la cause nationale de leur pays, par leur dévouement et idéologie patriotique. Bande konangai, komo nangai syndicat d'Okolo. Mboka ezali kokufa, totelema biso banso. Totosa biso nyoso mobeko likonzi moto abangisa moningate yambala oyo ekoki. Aujourd'hui donc, à travers mes poèmes, l'histoire du Congo retiendra des hommes très passionnés dans l'art, mais qui, d'une manière à une autre, n'avaient pas cessé de penser à la survie du pays et voir son émergence. Cela explique le cœur noble de cette famille et leur esprit patriotique pour un Congo nouveau et meilleur. L'amour dévoué pour leur patrimoine. Voilà donc pourquoi, à travers cette présente collection, j'ai trouvé intérêt à vous faire revivre, une fois de plus, l'idéologie et la philosophie d'un Congo nouveau et différent de cette famille très exceptionnelle en République démocratique du Congo, depuis le père Auguste Docolo jusqu'à son fils, Syndicat Docolo, qui ces derniers avaient toujours voulu achever le rêve de son père. L'histoire, les œuvres que j'avais encore relatées dans mon livre leur dédié, Telema Congo avec les Docolo, l'histoire des immortels congolais. Les efforts du père au fils, une lutte pour la cause nationale du pays et qui ne devrait pas être oubliée dans la mémoire des Congolais, au contraire, devrait être transmise de génération en génération. Qui est Auguste Sanou Docolo? Parler de la biographie du feu Auguste Sanou Docolo, c'est économiste et banquier congolais, n'est pas chose aisée. Trop peu de gens connaissent le détail de sa vie privée. En fait, il est le plus connu pour ses œuvres et ses nombreuses réalisations. Auguste Sanou Docolo était avant tout un self-made man à l'énergie débordante, un passionné de l'Afrique et des arts. Homme d'affaires entreprenant, chef d'entreprise audacieux, les établissements commerciaux qu'il a montés grâce à une activité débordante, alliés à une intelligence lucide, se sont multipliés jusqu'à déborder les frontières. Les Luabourg, Tisville, Boma, Tchela, etc. Dépend de la Guérande que Kinshasa connaît bien, les comptoirs de Lomé, Togo ne sont pas sans doute qu'une étape sur la grande route de ce succès national. Mais Auguste Sanou Docolo n'est pas de ces businessmen noyés dans le chiffre, fermé aux problèmes, qui dépasse le cadre d'un bordereau. Il a très tôt compris qu'au Congo, plus qu'ailleurs encore, l'évolution doit s'accomplir sur tout le plan à la fois, et que l'économie, donc un profit de ces visages qu'il aime et qui s'appelle Congo. Durant toute sa vie, comme son fils Syndicat Docolo, derrière mémoire, le feu Auguste Sanou Docolo se battit pour l'émergence d'une nouvelle classe moyenne qui devrait devenir le véritable moteur de l'économie congolaise. La promotion d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires nationales était son leitmotiv. Auguste Docolo Sanou n'était identifiable ni à une province, ni à une ethnie, comme le prouvent ses idées, ses fréquentations et ses actions. Sa volonté d'émancipation nationale ne s'est pas construite par le rejet de l'étranger, mais par admiration profonde pour certaines personnes et pour certains pays. Ses modèles, il a été le chercher chez les artistes Josephine Baker, chez le poète Léopold Sédar Senghor, Langston Hughes,
Aimé Césaire, chez les intellectuels comme Jones John, André Marot, Seydou Badia, Kouyaté. En 1965, ses réflexions sur le Congo l'ont conduit à évoquer de nombreux sujets différents qui nous marquent aujourd'hui par leur modernité. La corruption, le rôle des intellectuels dans le pays, l'action des étrangers par rapport à son pays récemment décolonisé. Sa compréhension de mécanismes post-coloniaux apparaît avec une clairvoyance limpide dont sa réflexion sur les sociétés étrangères emplatées au Congo. Sa vision de l'Afrique, Augustin Dokolo, l'a en grande partie tirée de ses voyages et de ses rencontres à travers le monde. Le travail, la conscience nationale seront toujours à la base du développement. Je m'y ai compris le problème d'autres nations, d'autres Africains, d'autres Noirs. Je m'y ai réalisé aussi la force de mon attachement à mon pays, mon continent et ma race. Voici donc quelques citations notoires de cette famille des Dokolo. L'égoïsme et l'indifférence, s'ils peuvent être tolérés dans un état qui n'est confronté avec aucun problème vital, sont des fautes irréparables du moment que la nation est menacée. Chacun de nous est nécessaire à l'édification de notre pays par son travail, par ses connaissances, par son dévouement, par ses réflexions et je dirais surtout par sa claire conscience nationale. Augustin Dokolo Sanou. Si tout comme nous, vous pensez que la RD Congo souffre d'avoir été trahie par ses dirigeants, alors devenez un Congolais debout. Syndicat Dokolo. Quand une jeune démocratie cherche sa voie, quand une nation en gestation est mise en demeure de s'organiser rapidement à partir de ses valeurs propres, chaque citoyen est en quelque sorte mobilisé pour participer à l'effort commun. Augustin Sanou Dokolo. Le sang Dokolo. Depuis son père, cette famille avait un rêve. Quand la politique de Mobutu n'était pas brève, quand mon pays sombrait dans une réalité chaotique et que le mobutisme lui était très dogmatique. Je vis les Dokolo l'investir de l'espoir, quand son peuple vivait alors de l'espoir et que le chemin vers la liberté était douté, quand aux yeux du monde on ne connaissait plus un visage erré. Je vis Syndicat Dokolo comme le grand signateur, voir la RDC et l'Angola un ensemble complémentaire, où l'Angola et la RDC deviendraient un seul homme lorsque son pays perd sa vraie forme. Je vis cette grande famille avoir de grands projets, quand leur pays connaissait l'anarchie comme un grand trajet. Je vis ces Dokolo animés par un esprit patriotique, quand la démocratie, la paix n'était plus une histoire politique. Pour moi, l'Afrique est un continent riche en art, qui devrait prendre conscience de la valeur de son art, car l'Africain intègre le circuit international comme ça un enjeu qui s'impose aux nationaux. Je construirai mon pays, l'art des Congo, dans l'art, je mettrai le régime dictatorial toujours à part, l'art bien acquis est le souffle de la vérité, je développerai mon pays dans son intégralité. Plus jamais mon pays connaîtra la tristesse, bien que ses ennemis l'ont mis dans l'état d'angoisse. Je me battrai pour avoir son alternance politique, même si le MP l'a rendu chaotique. Il suffit de rappeler que depuis son père Augustin Sanou Dokolo, son fils Syndicat Dokolo, depuis l'époque de Mobutisme, on a vu cette famille fort des grands projets des sociétés pour la RD Congo, contribuer par leurs affaires à son développement intégral. Même Syndicat Dokolo y a un grand rêve que l'Angola et la RDC deviennent un ensemble complémentaire. Comme son père, ce jeune milliardaire congolais et collectionneur de vrais d'art était un grand rêveur qui rêvait la journée avec un grand esprit du patriotisme pour son pays d'origine. On a vu son père secouer le régime dictatorial de Mobutu et le même sang circuler dans le veine de Syndicat Dokolo, la soif pour une alternance politique. Comme son père, il était très sensible au malheur de son pays et ce frère qui n'hésiterait pas à démolir Joseph Kabila qui en était l'instigateur. Ta mort, c'est un signe de ponctuation, d'interrogation, mais ce n'est pas un point final. Tu es dans une autre dimension. Nous sommes en colère contre toi. L'amertume domine nos larmes, ton départ nous laisse désemparés, pas toi, pas maintenant, pas comme cela, mais
Qui sommes-nous pour décider de la manière et quand tu devais partir? Quel genre de départ aurions-nous souhaité que tu aies? Qui sommes-nous pour en décider? On prend acte, on prend date. Tu as fait ta part, tu l'as accepté. Nous avons tous les yeux rougis par le feu que tu as allumé dans nos âmes. Comme le tison qui survit sous les cendres froides, jusqu'au jour où nous nous reverrons, ton nom, ton souvenir, ton évocation ne cesseront d'allumer une flamme dans nos cœurs. Au revoir, Sindika. Un homme exceptionnel au Congo. Lui, c'est un collectionneur de vrai d'art. Un homme très passionné dans l'art, qui trouve la solution de tout le problème dans l'art et qui n'hésiterait pas de développer son pays dans l'art. Lui, c'est Sindika Dokolo, un homme exceptionnel, qui voudrait que Joseph Kabila prenne la politique comme un art traditionnel, un homme qui veut voir son pays changer de façon radicale et qui prêche son développement comme une vérité intégrale. C'est Sindika Dokolo, un collectionneur d'œuvres d'art africain, qui voulait que son pays soit aussi bon comme l'art romain, un homme qui contemplait le Congo dans la beauté de l'art et déterminé pour mettre le régime de Kabila à part. C'est Dokolo, un homme qui croit à ses convictions, déterminé à se battre pour une alternance politique quand les élections devenaient des champs d'interdiction et que le régime de Kabila devenait catégorique. Si comme nous, vous pensez que la RDC souffre d'avoir été trahie par ses dirigeants. Si comme nous, vous pensez que le pouvoir est en train de se maintenir en violation de la Constitution. Si comme nous, vous pensez que le Congo mérite mieux. Si comme nous, vous pensez que l'alternance doit se faire en 2017. Et que la responsabilité citoyenne doit s'imposer à la violence d'État. Alors, rejoignez notre grand mouvement citoyen. Devenez un Congolais debout. L'art comme champ de bataille. Ce que j'aime dans l'art, c'est la puissance des œuvres d'art. Cette force qui me rappelle de la vraie valeur et qui me le dit toujours en reparlant. Ces œuvres ont une âme, c'est ce que j'aime. Lorsque vous passez à côté d'elle, il y a un avant et un après dans votre vie sensible. Ces œuvres d'art représentent une africanité, une blessure et une noblesse. Beaucoup d'Africains l'ont déjà ressenti avec sagesse, car notre vie elle-même en est art. Le Congo devrait prendre l'art comme un champ de bataille. Il engendrerait des politiciens de taille, car il prendrait dans le pays la politique comme un art et que son développement intégral serait une œuvre d'art. La culture, la clé de tout. La culture n'est pas la clé de tout, dans le sens où elle ne réglera pas tout. C'est la clé de tout, car elle permet de prendre contrôle de tout. La culture, c'est la clé de tout, car elle nous permet de prendre contrôle de notre destin et en reflétant notre vraie image partout, à chaque fois que nous nous réveillons très tôt matin. Mon pays Congo ne devrait pas perdre sa culture, et que le régime de Kabila connaisse sa fermeture, car il a perdu la culture congolaise et que vivre avec Joseph Kabila est un vrai malaise. La culture de mon pays est puissante, mais elle a perdu aux yeux du monde sa forme ravissante, depuis que l'AMP est née et que dans la boue ma patrie est traînée. Sindika Dokolo était resté convaincu que son pays avait perdu sa vraie valeur, sa culture aux yeux du monde, depuis que Joseph Kabila avait pris le pouvoir. Très chers compatriotes congolais, l'histoire de ces grands collectionneurs d'œuvres d'art africains, du père au fils, devrait être transmise de génération en génération, car c'est une famille congolaise très particulière, qui s'est vraiment distinguée des autres par leur cœur noble et patriotique. La République démocratique du Congo serait vraiment fière de cette grande famille très particulière, la famille de Dokolo.